ألوان أندلسية. ألوان أندلسية إبحار في الموسيقى الأندلسية ومشتقاتها الفنية. ألوان أندلسية يعدها ويقدمها سليم حصار. Chers auditeurs, chères auditrices, ravis de vous retrouver dans ce troisième numéro et dernier que nous consacrerons au poète musicien Mohamed Ben Saïb du XVIIIe siècle. Je vous propose comme entrée en matière à ce troisième numéro cette belle poésie tirée du répertoire du poète musicien Mohamed Ben Saïb, Yel Meddah Tril Alik, interprétée par Al-Arbi Ben Achour en compagnie de l'orchestre de la radio d'Alger dans les années 50 dans le monde Mouel. يل مدح تخيل عليك عدم الزهرة وأبيها لو صبت ألف مدح نمدح كل مساء وصباح والخلايق جملة الأرواح بالرضا يثني وعليها بالرحت في قطار البرين من يكون مثلها في الزين بنت واش تكون منين واش من صلب حمل بها توجد تاج عظيم بها فوق نور يغشيك دياه نور حسن من نور كساه ونور محمد يغشيها يل مدح تخيل عليك عدم الزهرة وأبيها وجبين حال الجاية المطعم ودام
هكذا ظني في ربي ان الغب يغفر لي ذنبي وجمله الاسلام احبابي ما نخلف منهم جهه والرضا عن جمله البرار ابو بكر والسيد عمر والزكي عثمان وحيدر وما بقى من العشره فيها يا وليع غنم ذو البيات من كلام مسايب بنعات قولها في ساير الاوقات خذها واستحسن بها لام الف والهمزه تفصيل من الكريم التوفيق الجليل كملتها بالصلاه تكميل على الشفيع يوم حسابها يا المداح تخيل عليك عدم الزهره وابيها. Nous avons évoqué le numéro précédent, le rôle joué par le poète musicien Mohamed Ben Msaïb en tant que témoin de la déchéance de la ville de Tlemcen tombant entre les mains du pouvoir des Ottomans. En effet, après des dissensions de palais, le royaume de Tlemcen, qui subsista jusqu'en 1556, fut conquis définitivement par les Ottomans et tomba depuis dans une longue agonie. Synonyme de science, d'art, de belles lettres, de jardins fleuris, d'eau, de coexistence, de société raffinée, le mythe de Tlemcen allait prendre le relais pour la faire regretter aux poètes, notamment Saïd Abd al-Mendesi et Mohamed Ben Msaïb en tant que paradis perdu. Pour le poète musicien Mohamed Ben Msaïb, Tlemcen était ce coin où il n'eût existé comme nulle part de paix et le bon vivre. C'est le pacha d'Alger, rappelons-le Salah Raïs, qui s'empara de Tlemcen en 1554. Cette date marquera ainsi sa déchéance en tant que capitale au profit d'Alger, la troisième cité après Oran du royaume des Ianites, et cela dès le début de la présence ottomane en Algérie. C'est alors le début d'une nouvelle ère, sans doute moins fastueuse que la précédente, au cours de laquelle elle restera un foyer toujours bouillonnant, rêvant de son indépendance. Cette capitale déchue, qui n'avait point perdu son caractère en tant que métropole, avec au XVe siècle ses 80 000 habitants, ne sera jamais le siège d'un beylicat. Échu au rang d'un aralik, ville garnison, dépendant du beylik d'Oran, le mouchoir symbole de la souveraineté des Ianides ne sera plus que le siège d'un noujar avec son administration, son infanterie, les janissaires. Les autochtones ont accepté difficilement leur sujétion à l'empire ottoman et ses appétits de puissance. La présence ottomane fera remarquer le poète musicien Mohamed Ben Msaïb dans sa Hilya où sa relation de voyage à la Mecque a profondément transformé les modes de vie d'Alger, la Zianite, au Moyen-Âge où il sera frappé surtout lors de son passage par le grand nombre de carrières de pierre à chaux dans une ville qui était en pleine évolution urbaine. En effet, Alger, au moment où Mohamed Ben Msaïb l'avait visité, était en phase de construction. Ainsi disait Stéphane Xel. Nous avons nommé déjà les grandes villes qui se développent alors, Tunis, Fès, Bougie, Tlemcen surtout, dans les relations s'étendant l'Europe entière. El Jazeir n'est encore qu'une bourgade berbère bâtie sur les ruines de l'antique Icosium, rien n'y laisse prévoir les futures destinées d'Alger. Ville de caserne, elle sera néanmoins et pendant toute la période de présence ottomane, une ville ouverte. Le grand poète populaire Mohamed Ben Msaïb jugera le statut de l'ancienne capitale zianide indigne de son rang en tant que vieille capitale. Rêvant de son indépendance, elle était devenue un îlot de dissidence pendant presque toute la période ottomane en Algérie. Dans sa poésie intitulée « Rbirda Aliha Wulwukst Aha », ainsi est pour elle le destin de Dieu, il languira sa déchéance qui a atteint comme un mal la cité millénaire. Malgré cela,
Loin des souffrances dont elle subira les conséquences du fait de la forte présence de la soldatesque turque, elle n'en continuera pas moins d'être encore un carrefour d'échanges sur les plans intellectuels et commerciaux, ainsi que l'attestent les récits de voyageurs et les nombreux chroniqueurs, dont Al-Jazuli au XVIIe siècle dans son livre Ka'bat al-Ta'ifin, la Ka'ba des pèlerins, citant aussi, en son temps encore, la présence de nombreux savants. Mohammed ibn Saïd languira souvent ce mauvais sort qu'avait connu sa ville Tlemcen dans plusieurs de ses poésies et particulièrement Mohammed ibn Saïd, il faut le dire, fut apprécié pour sa capacité à cristalliser dans ses vers ses propres angoisses. Son œuvre est aussi le miroir de son temps. Lucide défenseur de la ville, il décrit dans son poème de détresse la déchéance de Tlemcen engendrée du fait de la présence ottomane. Son œuvre dresse un portrait politique, culturel et social du milieu du temps où il a vécu. Il est tantôt historien pour rappeler le passé prestigieux de la cité, tantôt philosophe en donnant les clés à interpréter la valeur et le sens de la vie, enfin la capacité de l'homme à assumer l'existence avec ses difficultés. Mohammed ibn Saïd, parfaitement à l'aise dans sa langue maternelle, exprime également à travers sa poésie la profonde nostalgie qu'il éprouve à l'égard d'un passé heureux révolu, celui des Zianides. Mohammed ibn Saïd est en effet resté attaché au souvenir de la capitale Tlemcen Zianide. Nous citerons à cet effet quelques citations de célèbres personnalités ayant vécu ou séjourné à Tlemcen. Nous commencerons par Charles Broslar qui disait « Sous les Almohades, Tlemcen atteint dès lors son plus haut degré de prospérité. » Au dire des historiens les plus dignes de foi, sa population est de 125 000 âmes. Elle s'est décernée des monuments publics importants, 60 mosquées, 5 collèges ou médersas, des bains, des fondoks, des caravansérails. Elle a une triple enceinte de remparts crénelés et de portes monumentales. Un nombre infini de casernes et de vastes réservoirs d'irrigation donne la vie à 14 000 jardins qui l'entourent d'une ceinture luxuriante de verdure. Son moulin échelonné sur la rivière Safsef atteste de l'industrieuse activité de ses habitants. Elle tisse des étoffes de laine, de soie, de brocart d'or et d'argent. Ses cuirs ouvragés rivalisent avec ceux de Fès et de Cordoue. Elle est le principal marché des tribus sahariennes et du Maghreb. On y apporte la poudre d'or, tibre, et tous les produits riches et précieux du Soudan. Ses relations s'étendent même aux villes maritimes les plus importantes de la Méditerranée. Elle conclut des traités d'alliance et de commerce avec Gênes, Venise, Marseille, Barcelone. Hospitalière aux marchands chrétiens, elle leur ouvre ses portes, leur permet de bâtir un vaste caravansérail, un Qaysariya, petite ville dans la Grande, où ils résident avec un consul chargé seul d'administrer leurs affaires et où ils pratiquent l'exercice de leur culte en toute liberté. Tlemcen est alors un foyer de lumière. Dans ses académies se rencontrent des savants venus de tous les points de l'Afrique et de l'Espagne, en dissertent, en y professent librement. Ces rois aiment les sciences, les arts, les lettres. Ils protègent libéralement les hommes distingués qui les cultivent. Ils ont une cour nombreuse et brillante, une armée disciplinée et aguerrie. Ils frappent monnaie à leur coin. Leur palais, le Mouchoir, réunit toutes les splendeurs avec toutes les élégances et toutes les mollesses de la vie orientale. Tlemcen, en un mot, est à cette époque où le génie des nations européennes se réveille à peine de son long sommeil, une ville les mieux policées, les plus civilisées du monde. Quant à Al-Hafid ibn Marzouk, il disait « Baladu al-jidari ma amarra nawaha » كلف الفؤاد بحبها وهواها يا عادلي كن عادلي في حبها يكفيك منها ماؤها وهواها وأهلها أهل ذكاء وفطن في رابع من الأقاليم قطن يكفيك أن الدود بها دفن مع ضجيعه ابن زغلون الفطن. Quant à Ibn al-Hayyan ou Abu Marwan Ibn al-Hayyan al-Qurtubid, si tu viens à Tlemcen, rempli de tes reproches ses places, ses assemblées, ses maisons. Cette population n'accueille aucun de ceux qui lui demandent asile et nourriture. Voudrais-tu mieux que Moïse et Khidr ? Alfred Bali, architecte en chef des monuments historiques en Algérie, disait quant à lui « La ville artistique par excellence du département d'Oran est Tlemcen. L'art arabe ou mauresque, si l'on veut, y est épanoui avec une splendeur comparable seulement à la beauté des monuments de Séville, Grenade et Cordoue. Ce sont les mêmes artistes, les mêmes architectes qui ont travaillé dans les deux pays. Sans doute ils venaient d'Égypte, et sans s'arrêter ni en Tripolitaine, ni en Tunisie, ni en Algérie, où, comme nous l'avons expliqué, on ne trouve que des édifices d'un intérêt bien secondaire. Ils ont fait station dans ce point enchanté qui est Tlemcen et qui bientôt devint le chef-lieu d'un royaume. Certes, à Tlemcen, nous n'avons rien qui vaille la mosquée de Cordoue. Or, je ne sais s'il existe dans tout l'art musulman un exemple d'une merveille pareille. Mais nos monuments soutiennent la comparaison des autres édifices d'Espagne. À la Alhambra, nous opposons Sidi Boumdin, à la Giralda al-Mansoura, à Al-Khazar, la Médersa de Sidi Bellahsen, la grande mosquée Sidi Halwi.
Sharif El-Idrissi, géographe, botaniste et historien andalou, rapporte dans son livre « Tlemcen devient sous les princes almohades la clé de l'Afrique occidentale et le lieu de passage le plus fréquenté par les voyageurs. Ses habitants passaient alors pour les plus riches du Maghreb, après ceux d'Armat et de Fès. » Et nous terminerons avec Messali Hajj, notre héros national, père du nationalisme algérien. Le royaume de Tlemcen était une terre de contact étroit avec le monde négro-africain. L'une des principales routes de l'or par la voie caravanière Tlemcen-Sedjelmassa. Les Tlemceniens parlent volontiers des jours heureux et bénis de ce royaume Abdelwadid, exactement comme s'ils se plaisent encore de nos jours à chanter l'air de la présence arabe en Andalousie. Les historiens unanimes ont souligné le rôle de berceau de la civilisation que joua notre ville dans le monde islamique. Les poètes l'ont surnommé la perle du Maghreb. Tous les amoureux de la nature et des nuits étoilées, mais aussi du savoir, de la musique et de l'art, ont pris l'habitude de venir des régions les plus lointaines en pèlerinage dans cette ville enchanteresse. Le regretté professeur Abdelrahman El-Mahjoub disait à ce sujet « En réalité, il semble bien que l'emprisonnement de Ibn Musayyib, si emprisonnement il y a, soit dû à une autre chose. L'âme sensible du poète ne pouvait rester indifférente devant l'état de misère et d'oppression dans lequel était plongé Tlemcen à l'époque turque, et il composa des vers satiriques dans lesquels il attaqua avec une verve mordante le gouvernement des Turcs. Dieu a fait sonner pour Tlemcen l'heure dernière, disait-il dans une de ses chansons. N'a-t-il pas voué toute chose à une fin irrévocable? Pour cette ville, les beaux jours ont fui. Le temps de la tristesse et du malheur est arrivé. Ruinée, elle s'est pourrie, elle a péri, dévastée par la tyrannie. Elle est vêtue de deuil et couverte d'opprobre. Le vice y a fait place aux anciennes vertus. » Professeur Abdelrahman Mahjoub disait encore « De telles critiques ne pouvaient que déchaîner la colère des autorités turques. Le poète dut, selon certaines informations, se réfugier au sanctuaire de Sidi Abdallah dans le village de Ain el-Hout au nord de Tlemcen, et c'est là qu'il aurait écrit son poème « Ô ami d'Allah secoué le traqué, finit-il alors par être jeté en prison ?» On n'a aucune certitude là-dessus. On le retrouve quelque temps après libre à Meknès auprès du sultan Moulay Ismaïl, soit qu'il fut remis en liberté par l'entremise d'influences puissantes, soit qu'il ait fui les menaces turques. Cet exil fut salutaire pour le poète, rentré dans sa patrie, réconcilié avec les dirigeants turcs de Tlemcen, las aussi d'une vie d'aventure, il revient à la foi. Il alla faire le pèlerinage à la Mecque pour se laver de ses péchés. Quand cette obligation fut accomplie, il se fixa définitivement à Tlemcen et ne songea plus qu'à être un parfait musulman. C'est de cette époque que datent ses poèmes les plus débordants de piété. Écoutons-le plutôt. « Dieu, je suis ton esclave, j'attends de toi le pardon. Je demande au prophète le livre saint, aux musulmans qui le lisent, aux cieux, au trône, au calame et à la planchette d'intercéder auprès de toi en ma faveur. Fais, ô toi l'unique, que mon cœur ne soit pas déçu et accorde-moi la chose que je désire ardemment. Je désire avoir pour demeure le jardin du paradis et avoir pour voisin Ahmed, le prophète. Ô mon Dieu, je demande pardon. » Nous écouterons à présent une autre production du poète Mohamed Ben Msayib intitulée Tarul Asab Jinah, interprétée par Al-Hajj Al-Mahfoud de Blida en compagnie de l'orchestre de la radio d'Alger, toujours dans les années 50, dans le mode Arak. Tarul Asab Jinah, Tarul Asab Jinah, Aqlil Mohamed Taj Al-Karam, Tarul Asab Jinah. عقليل محمد تاج الكرام باهي الغرة وزين الحزام الطاهر مرفوع المقام من سطر الجهل الرواح فاجي الغمة يوم الزحام بعتو ربي الفتاح بعتو رحمة رب العباد بها صلح مولانا الفساد هو زنجار أهل العناد جانا باشر نصاح جاد حمد بول نوار جاد شراح الوضاح طار ولا صاب جناح طار ولا صاب جناح طار ولا صاب جناح طار ولا صاب جناح عقلي الحمد تاج الملاح طار ولا صاب جناح عقلي الحمد تاج الكرم باهي الغرازي للحزام الطاهر مرفوع المقام من ترجاه الأرواح من ترجاه الأرواح مفجي الغمة يوم الزحام بعثوا رب الفتاح
روح ما رب العباد بيها صلح مولان الفساد. هو زنجار أهل العند جانا بشير الصاح جانا بشير الصاح جد أحمد بول وارجد السيراج والضاح. بدر البدور نور وشرق عن كل نور إذا شعشع دحر البحور ما تشفى فيه الماح ما تشفى فيه الماح من صلت عليه الأمور والأطيار فيه الدواح. بدر انضوى من شعشع نور واستوى مول التاج ومول اللوى جانب كتوب ملاح جانب كتوب ملاح خلق الله في شور استوى بذن وهبة الرياح. وجب من عند الله الجواب جناب السنة والكتاب بسبب كل صلاح بسبب كل صلاح يا ربي يا محي الرقاب احفظنا يا سماح. بسبب الأمين أخلقها رب العالمين بجاه السادات الكرام صحاب الماحي بتمام وبجاه الضاويب وعلام يا سلطان الملاح بيك المج طول الدوام وفي كل مساء وصباح. نختم كلام المصطفى في مديد يا بحر الوفا مول الكعبة المشرفة مول الخاتم والضاح غيت خديمك من الصفا يشرب كيسان الراح ابن مسايب اسمه مخفى بيكم راني براح طار ولا صاب جناح طار ولا صاب جناح. الشيخ محمد بن مسايب le plus connu parmi les poètes musiciens du Haouzi ressentit comme un malaise indéfinissable lors de la déchéance de Tlemcen. Les poètes, du moins ceux que nous avons cités, ont été au centre de nombreuses polémiques et rumeurs de conscience. Leur poésie n'était pas sans avoir choqué les dévots et les pervers à la tête de l'oligarchie ottomane qui cherchèrent à les faire taire, poussés souvent à l'exil. Considérés comme des dissidents, ils étaient alors censurés, d'où leur résistance héroïque. Ils sont combattus parce qu'ils n'avaient pas ce regard châtré sur la société. Avec réalisme, Mohamed Ben Saïd qualifiera cette période d'épreuve de misère. Sa déception fut profonde. Il vit un long exil à Fès puis à Oujda au Maroc, tout comme son devancier Ahmed Ben Tzrekidi Ben Zengli, qu'on ramènera plutôt mort avant d'y être enterré près du Sahri Jinbedda, le grand bassin, ou encore plus tard Ben Sahla qui endura des moments pénibles de séparation à Oran. La plupart des poètes ont connu des moments de mauvaise fortune en réaction aux privations de leur liberté et leur indépendance. L'avènement des Turcs à Tlemcen coïncida avec l'exil massif des habitants de cette ville vers Ceuta, Fès, Tétouan, Alger et Tunis.
Nous relèverons aussi que la hijra, ou l'exode de désobéissance civile, a été dans l'histoire de cette ville un phénomène récurrent pendant des siècles. Exilés, ces poètes garderont à jamais la plus chère nostalgie de Tlemcen, leur ville natale. C'est à profusion de poésie qu'ils y vantèrent les charmes, de la même manière que l'ont fait au Moyen-Âge arabe les maîtres de la prosodie venus d'Andalousie pour la visiter et y séjourner. Ibn Bana de Denia, le Cordouan Ibn Khfaja, le Grenado Tlemcenien Ali Sendin Ibn Khatib, Ibn Hayyan de Cordou, ou encore le poète et grand soufi de Tlemcen Ibn Khamis, mort assassiné à Grenade. Envoûtés par son site et ses sortilèges naturels, ils parlèrent d'Éden à la découverte des cascades de l'Ouret, aux atouts naturels décrits par les grands poètes, dont le Tlemcenien Ibn Khamis, qui parle de Platon et d'Hermès, le panégyriste de la cour de Grenade où il fut assassiné, de ses palais et de ses 14 000 jardins suspendus, même s'ils n'épargnèrent pas souvent de critiques sa société. Le site des cascades de l'Ouret, étymologiquement Al-Warta ou précipice, était le lieu d'Éden pour les poètes et les musiciens friands de nature, un lieu de liberté pour échapper à l'emprise de la société. Avec le cirque grandiose de son site naturel, ses jardins suspendus, ses sources, sa végétation, ses fleurs, ses fruits, un haut lieu naturel de plaisir partagé par les musiciens et surtout par les poètes contemplatifs vivant au rythme des saisons, d'où leur fécondité en printanière, Rbi'iyat, saisissant les charmes de ce lieu féerique. Une autre pause musicale, nous écouterons cette fois-ci Mahanti Qouat ou Tab Shrab Mlba, interprété par Abdelrazak Fkharji, toujours dans les années 50, avec l'orchestre de la radio d'Alger, dans le mode Raml Maya, Mahanti Qouat ou Tab شراب من اللبا هو هنا عيش وانا رفدت الهم لو كان ينده للمكتوب والتربة نمشي ونغنم ما غنم عرب وعجم فرجت الجيل وطواف البيت والكعبة من اللي غنمهم يا زيار اش غنم فرجت الجبل هي الفرجة إذا تعرف يوم تكون عليه الناس من التمة كل الركب عساكر وصناجق ترفرف وطبول ومدافع وخيول متحزمة الواعد الخطيب آمر حالهم تصفف من كل جهة غاشيها زاد حما يا درا تعود شي مرة أخرى نوقف في ترابها ونموت شهيد يا فهمة هم حزن قلبي هم ولا له طبة طاب خاطري لهواها عييت ندمم من لوعة الفرقة والشوق والغربة ما بكت عيني داك اليوم في المرسم من لغنمهم يا حجاج واش غنم من لغنمهم يا زيار واش غنم بوني كوت لو كان ذاك اللي الفرجة إذا تعرف يوم تكون الناس عليه من ثم كل ركب عساكر وسناج قتر ترس وطبول ومدافع وخيول ما حتجمع عمد السقطيب بمراح الهات الصفر ومن كل جهاتها زاد حمار يا ضان عاود في مراقان وقف في طربها ونوت شهيد يا فما هم حزن قلبي يمن ولائين وقصة طب خطويل وعييت للدم اللي قتل سرقة والشوق والغربة ما بكت عيني ذاك اليوم في المرسم وطلت الجبل وطواف البيت والكعبة عملنا منهم يا حجاج وشغل Thank you.
والشوق والشوق والهجرة نبكي النار ونبكي الليل ندم خطر المشؤوم تحيرنا وفي الصبر خصم الفضاحة والبوح المات تنسوني دمع العيون ميليتي لا تسرى فوق حدود على المدينات تدق امري من لبك لا حباب ولا بك الغربا ما دام نحن في الجنان ونسال قاضي وما يحكم شيء بلا تلقى إذا أعطاني الله وريت القبة الخضرة ندخل عنده والروضة تزهيني بالزهو السلوان رويت ذا الخمرة من كل كيوس الود تسقيني بهم زهيت أنا وزهات لي الحضرة في رؤية من حبه بعد الوصول هناني كل ما طلبت وجدت وزالت الكشرة بين الفضلين ديم الكاس رواني محلى الرباب ومحلى العود والقصبة والطار والغاني بغناه يتكلم بنا مسايب بغنم ما بينهم شربوا من معدب زلال رحيق مختم من لغنمهم يا زيار وشغنم من لغنمهم يا حجاج وشغنم. La littérature du poète musicien Mohamed Ben Msaïb est à la fois bonheur et aussi sagesse lumineuse avec ses leçons d'éthique. Chez ce poète musicien, ce contemplateur de la vie, mort dans un état de sainteté, la poésie est douleur et joie qui aide à vivre les temps difficiles. Son œuvre poétique est reconnaissable sans peine. Il est cependant un des brillants et talentueux représentants du Hawzi ou marginalité, cet objectif transformé en nom pour devenir ce signifiant d'art qui a révolutionné les codes de Tlemcen centre où la culture dominante était jusque-là représentée par l'andalou. Cette murique qui correspond à une sensibilité nouvelle devait impliquer le passage à une autre éducation, à une autre tempérance avec un discours poétique plus près du public. De par son éducation, un souffle mystique traverse toute son œuvre. C'est un peu aussi le reflet de l'esprit de son époque et toute l'œuvre de ce grand maître de la chanson et de la poésie populaire est en quelque sorte une autobiographie déguisée. Taraudé par la pureté et l'authenticité, l'artisan poète et musicien Mohamed Ben Msaïb sera parmi les poètes les plus prolifiques du Hawzi. Il était à la fois un poète et un artiste qui a fait preuve de beaucoup de talent, d'intelligence et de créativité pour agencer musicalement ses chansons. Ce poète qui compte de nombreuses œuvres majeures honore de respect pour ses beaux talents son rival Ahmed Ben Salikidi Ben Zengli, le grand poète de la nature. De tous les poètes de la cité des Iyanides, Mohamed Ben Msaïb est le plus philosophique. Rien n'a échappé à l'imagination de cet amoureux qui, en tant que musicien, savait parfaitement transformer ses œuvres en figures de style raffinées. Toute l'œuvre de ce versificateur est considérée comme un hymne à l'amour et à la beauté. Elle se renouvela totalement à la fin de sa vie dans une autre expérience en se modulant sur le sentiment religieux. La poésie profane, disait-il, est une auréole dans ma vie d'ici-bas. Et il prie Dieu de lui accorder le pardon dans sa célèbre poésie « Al-Hormi Arsullah, protection au prophète d'Allah ». C'est en tant qu'ascète qu'il revêtit la burde de soufi. Cheikh Mohamed Ben Msaïb était un poète musicien avant de recevoir lui aussi l'illumination mystique. Il accomplit le pèlerinage avant de consacrer la fin de sa vie à l'adoration de Dieu.
Cette retraite mystique ne l'empêcha pas d'ailleurs de composer aussi ses plus belles odes dans le panégyrique al-Madh, en renonçant de regarder autre chose que vers Dieu, ou en honorant ainsi la mémoire des grands hommes vivant dans la conscience populaire, Abdelkader al-Jilani, Sidi Boumdine, Sidi Ahmed al-Tidjani et d'autres encore. Ce poète, fils du temps, sa renommée sera solidement établie à travers le Maghreb. Nous garderons de ces poètes dont les fonctions de producteur et de musicien n'étaient pas souvent séparées beaucoup de textes nus, c'est-à-dire sans la mélodie parvenue grâce aux scribes qui les ont copiés. Toujours est-il, le recueil aujourd'hui sont encore loin de donner une idée exacte de la production de tous les poètes compositeurs. Les productions poétiques de Mohammed ibn Msaïb ponctuent chronologiquement les étapes de sa vie. Son pèlerinage à la Mecque est une date importante dans le cheminement de sa production poétique et de son parcours mystique. Il mit fin à sa production de poésie dite profane qui nous fait vivre ses tranches de vie avec une expansivité chaleureuse. Dans sa poésie, il raconte en de jolis exercices de langue la vie brisée d'un homme qui cherche à se reconstruire, voire notamment l'ouhdani. C'est alors une étape poétique nouvelle qui s'amorce pour lui, celle portant le message du retour à Dieu. Une écriture qui enfile la spiritualité. Il dévoile ses défauts et en appelle au Très-Haut pour purifier son âme et son cœur. Sa musique, épurée par la pensée religieuse, donnera son poignot Al-Hurm Ya Rasulallah, un chef-d'œuvre du maître. Une chanson qui correspond à un moment où il entame un travail de purification et qui correspond à une demande de pénitence priant Dieu de lui faire miséricorde dans ce chant où il se dévoile à Dieu avec un cœur lavé de toute vanité. En se réconciliant avec le Créateur, il nourrit un fol espoir d'être pardonné de ses péchés, des souillures qui ont jalonné sa vie en ce bas monde. Ce magnifique chant est à la fois point de rupture et début de son engagement dans la voie soufi, tariqa, admis ensuite à un degré élevé de la contemplation. Mohammed ibn Msaïb a certainement appartenu au cercle des frères initiés Ikhwan du Dikr, remémoration du nom de Dieu, de la tradition de la grande tariqa al-Qadiriya, cette dernière qui a particulièrement empreint du sceau de ses enseignements le soufisme en Algérie et dans le Maghreb. Pour recevoir la grâce de Dieu, Mohammed ibn Msaïb a prouvé de sa grande capacité à manier la langue parlée dans le panégyrique au-delà du florilège des autres thèmes qu'il a abordés. Sa poésie est en effet variée dans ses dimensions littéraires, historiques et religieuses et a irradié la conscience du temps. Les poètes comme les savants faisaient partie de l'élite respectée de la cité. Le souvenir du poète Mohammed ibn Msaïb est demeuré, malgré les siècles passés, vivant dans la mémoire populaire jusqu'à nos jours. Son œuvre poétique composée dans la première partie de sa vie est d'essence érotique, ghazal. Elle fait partie avec beaucoup d'énergie de ce qu'on peut appeler son œuvre de jeunesse avant la cinquantaine. Le maître au panégyrique, avec des poésies d'expression populaire, se rapportant à la foi et à la morale religieuse, occupe une place importante dans la production de ce maître de l'art populaire. Les poèmes à caractère dévotionnel marquent ainsi la dernière étape de sa vie consacrée entièrement au mysticisme, tasawuf, voire notamment Hejz Belfikr Shwaki. Ces poésies du genre maître au panégyrique ont une signification très symbolique, rappelant la geste du prophète ou des épisodes importants marquant l'avènement de l'islam et ses grands hommes dans l'histoire, en Algérie et à travers le monde musulman. Sur le thème de la religion, ce grand poète s'est exprimé avec une originalité digne. Ses œuvres comme Yel Wahdani, Al-Hurm Ya Rasulallah, Yehlillah Rizal Melhouf, Nari Qurhti, Hejz Belfikr Shwaki lui vaudront le meilleur de sa renommée qui s'étend dans tout le Maghreb. Au Maroc, Mohammed ibn Msaïb, dans l'œuvre mystique et plus largement répandue, fréquentera des savants et des poètes versés dans la science mystique. Il faut signaler aussi que la culture religieuse dans le Maghreb est restée fortement imprégnée du soufisme dans les symboles Sidi Boumdine Chouaib, son disciple Mahidin ibn Arabi, Abul Hassan Shadili et plus tard Moulay al-Arbi al-Dalqawi ibn Ajiba de la chaîne d'or de la généalogie mystique de l'enseignement de la tariqa. Au Moyen-Âge arabe, Tlemcen a produit de grands savants qui se sont également distingués par leurs œuvres dans la poésie mystique, voire notamment Ibn al-Khamis, Ibn al-Hajla, Afif al-Din Tinimsani, ces deux derniers morts à Damas. C'est dans la continuité de ces grands classiques des lettres que le poète Mohammed ibn Msaïb va laisser son empreinte dans ses chants andalous, amplifiant probablement une tradition avec les réfugiés andalous venus de Grenade. Le poète Mohammed ibn Msaïb a marqué par son œuvre le passé littéraire et musical de Tlemcen. Celle-ci, qui traduit globalement le tempérament des habitants de l'époque, leurs sentiments, leur douceur de vivre, leur humanisme. Mohammed ibn Msaïb, auteur de Zora ya Ashken Zora, fut un grand poète à imagination féconde. Il est enterré au cimetière de Ain Wazouta, dans le voisinage immédiat du célèbre théologien Sheikh ibn Youssef al-Sanoussi du XIVe siècle, auteur de la monumentale œuvre sur Tawhid ou Unicité de Dieu. Un lieu parsemé de temples, de personnalités prestigieuses à proximité d'autres personnalités savantes
savants de la culture, de la science. Non loin se trouve également la tombe du poète-musicien Boumeddin Messalaï et de son père, le fiqih prédicateur Mohamed, tous les trois auteurs majeurs de la littérature populaire. Mohamed ibn Msaïb est un des hommes brillants qui ont pratiqué l'art et produit la culture en Algérie et qui mérite, à l'instar de Abdul Moumin ibn Ali, Yer Mourassin, Al-Habbak, Al-Hafid ibn Marzour, Saïd Al-Uqbani, Ahmed Al-Maqari, de figurer au panthéon de l'histoire authentique de notre poète. Une autre halte musicale, nous écouterons cette fois-ci Nar al-Hwar Gat Fqalbi, interprété par Al-Hajj Al-Mnawar ou Sheikh Al-Mnawar, en compagnie de l'orchestre de la radio d'Alger. Ici, nous sommes dans les années 60. Nar al-Hwar Gat Fqalbi, dans le mode Araq. Nar al-Hwar Gat Fqalbi, ou l'Wuj Zat Fiha Kim al-Lahlaj, Sha'alit Sha'il, ou Kwa al-Hibi, Min Kuljiha Mahboub Al-Riyah. محبوب خاطري يا ربي مالو بطع لي راحت الارواح محمد الشريف العربي نار الهوى في قلبي شعلت وقوال هبها في كبادي هبوا رياحها وانصرفت من كل جهه يتسهادي الشوق والغرام يتبت البين والفراق مكادي الحب جاب سيف حربي جرح سميم صدري حشايه جراح اللي كميت في هواه حبي دمع العيون فضحوه ولساني باح محبوب خاطري يا ربي مالو بطع لي راحت الارواح مالو بطع لي راحت الارواح محمد الشريف العربي نار الهوى رقت في قلبي نار الهوى رقت في قلبي والوجد زاد فيها كم الحلاح شعل جعيل وقوى لبي شعلت شعيل وقوى لهبي من كل جيه بولي سبع رياح محبوب خاطري يا ربي مالو قطع عليا راحت الارواح محمد الشريف العربي نار الهوى في قلبي شعلت وقوى الهبة في كبدي هب ورياحها وانضرمت من كل جهياتي صهدي العشق والغرام يتبت البين والفراق انكدي الوجد زاق اللي اتسكت نادي على هلاك كنادي والحب جاب سيف وحربي الحب جاب سيف وحربي جرح سمين صدره حشايات جراح اللي كتمت فيه وحبي واللي كتمت فيه وحبي دمع العيون فضحوني ولساني باح المحمد الشريف العربي مالو قطع عليا راحت الارواح محمد الشريف العربي
العيون بين برد عند الدكام حاور كبدي لا من عرفك نتنهد شوق الحبيب قوة وجدي الروح والعقل ما نجحد عند العزيز وبطل وعدي لزيارته نبات وجد طول الدجامة جا عندي نبى مظهر يعجبي نبان مظهر يا عجبي بدر بدور وراحت الارواح. رب الكريم بعثوا رحمة للخلق فيهم كل فوايد والكافرين ليهم نقبة ما فادهم في أمر فايد يسعد به هاد الأمة في الحشر وما يرواش دايد قال بنا مسايب لهل السما من نال فرداه وزايد ربي طلبتك وفي طلبي فيما مضى وفات ومعاصي وفراح عفو وجود وغفر ذنبي ما دامت العمر كل مساء وصباح محبوب خاطري يا ربي. Parmi ses productions poétiques à caractère mystique ou soufi, il y a cette belle poésie « Laqi ya Rabbi laqi » ou « Hajit bel fikr chouaqi », très belle poésie d'un raffinement extrême et inouï, une expérience si particulière dans l'œuvre de Mohamed Ben Msaïb. En effet, il aborde ici les mots au sens profond. Il va à la quête de ce que l'on peut trouver derrière l'apparence des termes, leur sens caché. Il y va et y trouve un monde merveilleux où l'âme se libère de ses attachements terrestres et sonde le monde merveilleux du divin, du spirituel, le mysticisme prend toutes ses sens, ses couleurs et sa signification. Mohamed Ben Msaïb aborde cette étape nouvelle dans sa vie, cette phase de spiritualité avec beaucoup d'aisance, parfaitement assimilée à la culture soufie du Maghreb avec sa spécificité articulée autour des fondateurs illustres dans ses dibou médine El Raout qui, il faut le dire, a marqué un tournant dans la vie sociale et spirituelle des Tlemceniens. À travers cette poésie, l'héritage de cette culture se prolonge et s'enrichit de paraboles, de styles, mais les notions clés y demeurent à jamais. Pour lire et comprendre cette poésie, il faut tout de même un peu de fondement. Les assises de cette doctrine si chère à Ibn Arabi al-Shusturi Abi Madian, une poésie mystique et allégorique, est aujourd'hui comprise que par un petit nombre d'initiés. Son sens mystérieux fait les délices des commentateurs. Une poésie quand la cuitra et l'alto l'accompagnent de ses cadences rythmiques génèrent et dégagent des saveurs exquises et elles ne sont pas sans charmer, elles font rêver. Dans cette composition « Hajj bil-Fakr Chouaqi », Mohamed Ben Msaïb mettra fin à sa production profane, dite érotique, et marquera une nouvelle étape dans sa vie de poète en se tournant vers la poésie d'inspiration religieuse. Il demande le pardon et prie Dieu de lui pardonner de ses péchés à travers notamment cette belle poésie « Al-Hurmi Rasulullah ». C'est là le début de son engagement dans la voie à Tariqa. Ce que l'on ignore aussi à travers cette poésie « Hajj bil-Fakr Chouaqi », c'est qu'elle est d'inspiration soufie. Mohamed Ben Msaïb a certainement appartenu à des cercles de dhikr dans la pure tradition de la grande Tariqa. Al-Qadiriya, la voix majeure du soufisme fondée par Abd al-Qadir al-Jilani. Une poésie avec d'autres également, Al-Wahdani, Al-Lahit al-Malhouf, Nari al-Qurhti, Zora ya Ashqin Zora et d'autres encore lui apportent à Mohamed Ben Msaïb la renommée qui s'étend au-delà de sa ville natale à tout le Maghreb. Le dernier sonore que nous écouterons dans ce numéro réservé au poète Mohamed Ben Msaïb sera Hajj bil-Fakr Chouaqi dans le mode Araq interprété par le grand maître Cheikh Sadiq Bjawi de la ville de Bjaïa en compagnie de l'orchestre de la radio d'Alger si nous sommes dans les années fin 60. Hajj bil-Fakr Chouaqi ou tehoul bahri ma ou riyah ou tqalqou kasrat mwaj hdaqi rani khayif minhum jwarhi gharqou ma sabt nhar nlaqi halli ba'd al-farqa nchouf min na'ashqou raqi ya rabbi laqi هلي بعد الفرقة بعد التعب والشقة نهنا ولا نبقى نعوم بحر العميق الشوق بلا شفقة في قلب قلبي بقى دايق كل مشقة حملت شلة نطيق راني منه نسقة كيوس متدفقة دفلة وحدج وتقى ومر وصبر وريق لو داقوا الناس دواقي من نار الحب قلوبهم يتمزقوا وتراهم في الاسواقي يجريوا بلا كسوة ولا نواو يحمقوا لاقي يا ربي لاقي عاجت بن الفكر الشواقي عاجت بن الفكر الشواقي
يقلقوا من كثر مواجع حذاقي. من كثر مواجع حذاقي راني خايف فيهم جوار عيارقو ما صبت رهارينا ما صبت نهاري لاقي هو اللي بالملقى معدينا عشقو محمد زهور ماقي هل اللي بالملقى بعد التعب والشقا نهنا ولا نبقى نعوم بحر الغامي الفكر بلا شفقة في وسط قلبي يبقى ذايق كل مشقة حملت شلانتي راني من نون سقا كيوس مترنقا دفلا وحد جوتقا مروا صبر الوريق لو داقوا ناس دواقي لو داقوا ناس دواقي من النار الشوق قلوب وميت مزاقو وتراه في نسواقي وتراهم في نسواقي يجري بلاك سوا ولا غنى يحمقو ما صبت نهاري لاقي ما صبت نهاري لاقي هو اللي بالملقى معدين عاشقو محمد زهور ماقي واحد بالوجد قلوق طال عقلو لا خلوق واحد شملو مفروق بيشد الفريق واحد سايه متروق سايحة مع التروق واحد من النار الشوق ما تلذ البريق واحد قلبه محروق نار وجده يروق عشق وعشق معشوق عشق عشق وعشيق النار السفية وساخي الناس السفية وتاقي عضراوين العشق قلوبهم يصدقوا قلوا فعلوا ميزاقي
قولوا فعلوا ميثاقي في صغير في الحب لا شمس درقوا ما صبت نار لاقي ما صبت نار لاقي هو اللي بالملقى مع الدين عشقو محمد زور ماقي ساقي سقي العشاق من كيوس الرحاق لصحاب الحضرة دق بربه مشفي في سواق مع الحداق يعرفوا في الأفاق دوق للناس دواق من كيوس الرحيق فوق بساط العشاق شربت أهل التفاق واحد من الثمن أفاق واحد لا بغى يفيق بين سهرج وسواقي بين سهرج وسواقي وخصص بمياه الصفور غير يتدفقوا تحت ظلول الأوراق تحت ظلول الأوراق وطيور على الغصان بينهم ينطقوا ما صرت نوار لاقي تحت ظلال الورقة المياه متدفقة والكيسان برقة تدور من تفترق الطيور بلا شفقة تصيح مترفقة والبلابل متفرقة تغرد على الوراق وام الحسن معشوقة تحكي خمر للقى ونديمر الخمر بقى سكرت بعد الفياق والليل ظلام وباقي داج مغرب سريع من قلقو والفجر عزم بفراقي وانا محبوبي ما نطيقش نفارقو لاقي يا ربي لاقي به نسلي عشاقي بكسرت مدحي على النبي ومن يعشقو من حقي واحتقاقي ناضم هاد الحلة معاه نترافقو يا صايغ الشعر الراقي إذا سمعت قول بنا مسايب صدقو لاقي يا ربي لاقي والجاحد لابد يطيح في خرقو Et pour terminer ce dernier numéro réservé au poète musicien Mohamed Ben Msaïb, nous évoquerons le professeur au collège de Slane, le regretté Abdelrahman Al-Mahjoub, qui a fait un très joli texte sur le poète Mohamed Ben Msaïb, un texte qui a été publié dans Les Amis du Vieux Tlemcen. En 1954, professeur Abdelrahman Al-Mahjoub disait « Tous les Tlemceniens connaissent cette rue qui part du centre de la ville, longe un moment la mosquée de Sidi Ibrahim, se perd ensuite dans un dédale de ruelles et finit par aboutir à la porte des carrières. Elle porte le nom d'un des plus grands poètes tlemceniens d'expression arabe classique, Mohamed Ibn Khamis. Nous ne pouvons qu'applaudir à l'honneur que l'on a fait à ce chantre de talent du XIIe siècle à qui l'on doit des poésies mystiques, des bucoliques et des panégyriques. Mais c'est tant que notre cité s'illustre aussi de bien d'autres poètes qui, pour avoir composé leur poésie, non pas en arabe classique, mais en dialectal, ne sont pas moins célèbres. Au sujet de la mort du poète musicien Mohamed Ben Msaïb, le professeur Abdelrahman Al-Mahjoub disait « Ben Msaïb finit par jouir de la vénération de toute Tlemcen et quand il s'éteint en l'an 1768, il fut pleuré par toute la population. On peut encore de nos jours voir sa dernière demeure pieusement entretenue au voisinage du mausolée du Cheikh Senoussi sur la route de Sidi Boumdine. D'une vie consacrée entièrement à l'art et à la poésie, il ne pouvait résulter qu'une œuvre immense. Et en effet, on évalue sa production littéraire à plus de 2000 poèmes. Tous les genres goûtés à l'époque ont été traités par lui, depuis le panégyrique jusqu'à la satire et la poésie légère. Mais Ibn Msaïb excelle surtout dans le genre érotique et le genre religieux. Malheureusement, notre écrivain n'a jamais songé à faire un recueil de ses poésies.
Quand il composait une qasida, il cherchait en même temps l'air sur lequel elle devait être chantée et il la lançait ainsi sous forme de chanson. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que Sonnec publia un de ses poèmes dans ses chants arabes du Maghreb. Quelques années plus tard, ce fut au tour du Qadi Mohamed de reproduire quelques autres poèmes. Et enfin, en 1950, Mohamed Boukhoucha a rassemblé pour la première fois en un volume une bonne partie des qasaïdes du poète en y adjoignant d'abondants commentaires. Mais s'il n'y a eu de publication des œuvres de Mohamed Ibn Saïb que depuis quelques années, ses poèmes ont toujours été dans la mémoire des gens, transmis de génération à génération par les chanteurs professionnels. Il ne se passe pas de cérémonie familiale, de soirée, sans que l'on entende ses chants tantôt vifs et alertes, tantôt tièdes et nostalgiques selon le genre. Ne mérite-t-il pas donc, comme Ibn Khamis, qu'une rue de notre cité porte son nom ? Yahlillah Rit al-Melhouf, un texte dans la catégorie Madh du répertoire Hawzi, signé Mohamed Ibn Saïb, qui a quitté le monde des mots et des sons pour un monde plus sobre, celui de l'âme et des cœurs. Après la quête constante des gazelles, il se livre à une autre quête, celle de la recherche divine. Un aspect prégnant dans l'œuvre de Mohamed Ibn Saïb, mais très peu exploré par nos chercheurs. Mohamed Ibn Saïb est considéré aujourd'hui comme un saint. Son tombeau fait l'objet de visites régulières, surtout le samedi. Il a en effet consacré le reste de sa vie à la quête spirituelle et au soufisme.